Et nous voilà donc. Et nous voilà donc dans le quartier rouge pour la suite de nos aventures. D'avoir parlé à Ilox pour la suite de la quête de la planète. Je m'appelle Ilox. Je suis un détective privé indépendant. Il faut qu'on parle. C'est un évoqué. Je sais que les Jedi sont constamment sur la question, mais c'est important. Quelqu'un de la République doit être informé de ce que j'ai découvert au cas où je disparaîtrais. C'est bon, j'écoute. La suite ? Il se passe quelque chose de louche au Club Ufora. J'ai vu des officiers de la flotte de la République y entrer, mais ils sont jamais ressortis. J'ai voulu en savoir plus. Je suis allé dans une des pièces situées à l'arrière du bâtiment. Elle était remplie de cages d'esclaves. Qui vous a demandé de suivre ces officiers de la flotte de la République ? Personne. J'ai une dette envers quelqu'un. Des soldats de la République m'ont sauvé de l'Empire quand j'étais petit. Je leur dois la vie. Je surveille tous les soldats de la République qui viennent ici en permission. Je m'assure qu'ils ne s'attirent pas des ennuis. Oh, c'est gentil. La République a de la chance d'avoir un ami comme vous. J'aimerais pouvoir faire plus, mais je ne suis pas de taille. Le Club Ufora a un système de sécurité bien supérieur à la normale. Les gardes reçoivent de l'adrénaline de combat et ont des implants cybernétiques. C'est louche, ça. Quel que soit leur secret, ils sont prêts à tuer pour le protéger. Quelqu'un doit sauver ses officiers. Par quelqu'un, tu veux dire moi ? Merci de m'en avoir informé. À partir de maintenant, je prends le relais. Que la force soit avec vous. J'ai toujours voulu dire ça. Ah bah tu l'as dit, maintenant, heureux, t'es content. Bon, y a pas d'autres quêtes à récupérer, je suis déçu. Je suis dans le quartier rouge. Vous avez un plan pour le laboratoire central ? Si l'usine de supergarde possède un réacteur dédié, il doit être insensible aux fluctuations qui affectent le réseau énergétique. Mon équipe passe au crible les sources d'énergie du secteur. Il faudrait que vous provoquiez quelques fluctuations. En appliquant un sabre laser dans la bonne conduite, ça devrait faire l'affaire. Si je perturbe les courants électriques de tout un quartier, des innocents pourraient être blessés. Ou mourir. Croyez-moi, il n'y a pas d'innocents dans les parages. De toute façon, ces fluctuations sont ponctuelles et inoffensives. Je vous envoie les coordonnées des principales conduites d'énergie. On va le trouver, ce labo central des supergardes. Soyez prudente. Le quartier rouge a l'air civilisé, mais c'est loin d'être le cas. Raikan, terminé. Bah, déjà, un endroit qu'on appelle quartier rouge, je pense tout de suite au sang, donc je doute que ça soit si civilisé que ça pourrait paraître. Dobeida Namokili Maklunki, ni at ambomba boshuda. Il y a un problème? Neompi botmalia bedwana ni bobo. Jetwa fapa. Ji wanta hompa mui. Rabampa ula. Ipona male tota. Admishka kabanotasema. On dirait que les choses prennent une mauvaise tournure. Jileska chananga wan kiko bokili. Otabunki jitanka iliska chananga. Bumpa Kambakni. Vous connaissez les noms de vos maîtres, Glittersteam et Gildust, Magnetar et Whiff. Et je les connais bien. J'ai déjà emprunté cette route. Pourtant me voici totalement sevré. J'étais accro à la Rille pendant 21 ans. J'ai seulement réussi à décrocher quand ma filière s'est épuisée. C'est pourquoi quelqu'un doit arrêter les fournisseurs pour sauver les autres intoxiqués. Ça semble être une bonne idée.
Mais vous n'avez pas l'air d'être à la hauteur. Les cicatrices d'une vie de débauche. J'espérais que vous pourriez m'aider. Il y a des labos de Ryl avant et après ces bâtiments qui fournissent des milliers d'intoxiqués. Détruisez-les et ces intoxiqués seront obligés de se sevrer puisqu'ils ne trouveront plus rien. Vous pensez pouvoir faire ça? J'ai toujours détesté le trafic d'épices. Comptez sur moi. Il est grand temps d'agir. Je vais vous montrer où sont les labos de Ryl. C'est le cœur de l'opération, ou les poumons, bref. C'est le point essentiel et vital. Détruisez-les et les revendeurs n'auront plus rien à fournir. Et tout s'enchaînera à partir de là. Merci. Je suis le lieutenant Rail du croiseur Flamme de Coruscant. J'ai jamais été aussi heureux de voir un Jedi de toute ma vie. Ah, j'ai du mal à y voir clair. Ils m'ont injecté plein de... quelque chose. J'ai le visage tout engourdi. Qui en est responsable? J'ai jamais entendu de nom. La plupart d'entre eux parlaient même pas basique. Ces jolies petites danseuses nous ont amenés ici, mes camarades et moi, pour qu'on se détende. Et après, les danseuses ont disparu. Des gardes nous ont presque battus à mort. Ils nous ont jetés dans des cages, comme des animaux. Ça va aller maintenant. Je suis sauvé. Mais ils nous ont emmenés un par un dans des poubelles. Personne n'est revenu. Sauf un enseigne. Il était... différent. Il m'a même pas reconnu. Où qu'il ait emmené, il s'est passé quelque chose de terrible. Il faut découvrir la vérité. Je crois que je sais par où commencer. J'ai entendu les gardes parler de la zone de quarantaine. Je crois que c'est là qu'ils ont emmené les autres. Je vous en prie, sauvez-les! Il y a d'autres choses à savoir sur cet endroit. La zone de quarantaine est un ancien secteur industriel. Une décharge toxique. C'est un bon repère pour les méchants. Merci de m'avoir fait sortir. J'ai une dette envers vous.
s'attaque au labo. Ces trucs à la con, ils sont arrivés apparemment. Ça, c'est pas cool. Non, faut que j'attende exprès. Thank you.
bâtiment du secteur a conservé un flot d'énergie stable lorsque vous avez perturbé ses conduits d'énergie. Ça doit être le labo central. Voilà les coordonnées. À part l'agent Gallon et les cobayes, on n'a aucune idée de ce que vous trouverez là-bas. Vous savez comment vous allez faire ? Foncez dans le tas. Je ferai en sorte d'exterminer tous les impériaux sur ma route. Voilà, c'est à peu près le plan. Avec chance, vous prendrez l'ennemi par surprise. Ça présage une vilaine bagarre. C'est un peu le but. Près du gâteau. Contactez-moi quand vous aurez fini. Raikan terminé. Il nous reste juste la quête là à faire, c'est-à-dire ruelle, je pense. Double négociation. Ah non, inspecter la zone de quarantaine, voilà. Oui, donc oui, double négociation, je sais pas ce que c'était. Double négation. Bonsoir. Docteur Charnagus à votre service. Je n'ai jamais eu le plaisir de rencontrer un Jedi en chair et en os. Pas un qui soit vivant, en tout cas. Ça me semble être le bon moment pour vous révéler que je ne suis pas un impérial. Je travaille, ou plutôt, travaillais pour eux. Je suis venu pour tuer. Je peux peut-être vous faire changer d'avis avec un geste de bonne volonté. Accordez-moi un instant et je ranimerai le capitaine Trezin. Je suis sûr qu'il a hâte de vous parler. Que se passe-t-il ? Vous êtes sauvé. N'est-ce pas merveilleux ? Je sais pas comment vous avez réussi, mais merci. Ils ont tué tout le monde, sauf moi. Comment sont-ils morts ? C'était horrible. Je refuse d'y penser. Ce savant fou a découpé nos corps pour greffer des morceaux sur des espions impériaux pour qu'ils nous ressemblent. Une combinaison de chirurgie et d'épissage génétique. Une procédure étonnante. Je suis le premier à l'avoir réalisé avec succès. La galaxie ne méritait pas un tel fléau. Ce n'est pas aussi ignoble que vous le croyez. C'est sans douleur pour les sujets. L'Empire a secrètement remplacé des officiers de la flotte de la République par ses propres agents. Des hommes qui profitaient de leur permission ont constitué des cibles parfaites. Les impériaux ont voulu infiltrer des saboteurs dans tous les vaisseaux de guerre de la République. Ils voulaient détruire les vaisseaux de l'intérieur. D'où viennent ces renseignements ? Le commandant du bâtiment était très bavard, du moins avec moi. Vous méritez de mourir, monstre ! Pas de précipitation. Je serais ravi de proposer mes talents à la République. Pensez à tout ce que vous pourriez faire. Pour infiltrer l'Empire ? J'imagine que je pourrais accepter de recourir à cette ignominie. Tout ce qu'on devrait faire avec cet homme ignoble, c'est l'enfermer. Oui, vous avez raison, bien sûr. J'ai pas les idées très claires en ce moment. Oh, dommage.
Vous passez à côté d'une occasion en or. Je vais conduire ce malade à mes supérieurs pour qu'ils le punissent. Merci pour votre aide. Je suis ravie qu'on ait réussi. Au revoir. Donc ça, c'est bon. On va rendre la quête assainissement du marché de l'épice. Ce que vous avez fait a eu beaucoup d'impact. J'ai vu des intoxiqués aller au nord et d'autres à l'est pour essayer de trouver de nouveaux fournisseurs. Mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont presque tous été refoulés. À quel point est-ce qu'ils souffrent ? Je suis passé par là. C'est comme si de la glace coulait dans nos veines. Et on a des crampes tout en vomissant beaucoup. Mais c'est comme retirer un hameçon. Ça fait du bien après. Ce que vous avez fait va changer des vies. Gardez ça en mémoire. C'est le premier objectif de la quête ruelle, donc, qui est Reine de Beauté. Survivrez. Ici on a le deuxième. Là on a le troisième. Le quatrième et ensuite on monte par là pour tuer le boss de la quête finale. Non, s'attaquer donc à la dernière quête du coin qui est quartier rouge cœur noir, donc la suite de la quête principale.
question, Jedi. Le Dark Angral m'a dit que tu avais vaincu Observateur 1 et l'Inquisiteur Ferab. Impressionnant. C'est pour ça qu'il n'est pas là? Vous avez la trouille. Même mon padawan se moque de vous. Vous devez être mort de honte. Vous avez tué de bons soldats au centre de recrutement. Des hommes loyaux. Les meilleurs. S'ils avaient été aussi doués que vous le dites, ils seraient toujours en vie. Votre mort sera lente et douloureuse. Je laisserai au commandant Grohl le plaisir de t'exécuter. Je lui ai prêté quelques jouets. Des super gardes type 1. Pas aussi redoutables que les derniers modèles en ma possession, mais ils sont dociles et rapides à fabriquer. On rentre dans leur esprit en un clin d'œil. Je les ai programmés pour me servir. Si ces gens sont déjà morts, je n'aurai pas à les ménager. Nous arrivons trop tard, Raikan. L'apprenti de Dark Angral a saccagé le labo. Il n'y a plus rien à faire ici. J'ai trouvé un bloc de données cryptées sur un officier impérial. Ça a l'air important. Il nous apprendra peut-être où se trouve l'ennemi en ce moment. Ramenez ce bloc de données au QG. Les experts pourront le déchiffrer. Il faut qu'on fasse vite si on veut arrêter l'ennemi. Dépêchez-vous. Et on va parler ensuite au chef Arkga. Il y a ce dropogno, l'isdiero, l'isapoda, non pas, tant qu'il faut goutadji. Autovokistio balawa unikupa. Donc. Puis à Iliox pour la quête double négation. J'ai appris qu'il y a eu de l'agitation dans la zone de quarantaine. J'imagine que c'était vous. L'Empire se cachait derrière les enlèvements au Club Ufora. J'ai détruit leur base. Je savais que cette histoire me dépassait, mais je savais pas que c'était à ce point. À partir de maintenant, je vais éloigner tous les agents de la République du Club Ufora. Prenez soin de vous. Si vous en avez l'occasion, un de mes vieux amis du secteur industriel pourrait avoir besoin de vos talents. Il s'appelle Ganyuk. Nous voilà donc de retour sur la promenade pour la suite de la quête principale. Prévenu, j'avais dit à Raikan que cette base était compromise. Bah, chef, il voulait pas écouter, tant pis pour lui. C'était quoi ces choses? Ils ressemblent à ceux que j'ai affrontés au laboratoire central, mais en plus fort. Vous nous avez caché la vérité, et cette usine de supergarde. Nous ne savions rien sur ces armes. Nous sommes restés pour mener votre mission à bien, alors que nous aurions dû fuir. C'est de votre faute s'ils sont morts. Si vous voulez crier sur quelqu'un, adressez-vous à Varsutra. C'est son projet. Les responsables de cette histoire ont tous des comptes à rendre. Comme Raikan est mort, c'est à moi que revient son poste de chef. L'opération est terminée. Agent Diaz, nous partons sur le champ. Désolé, mon ami. Vous restez toute seule. Le chef Raikan m'avait promis de déchiffrer ses fichiers impériaux. Alors voyez ça avec lui. Son cadavre est là-bas. Attendez.
Le Jedi est la seule personne qui puisse arrêter ces choses. Je vous ai donné un ordre, agent. Et ce dernier combat m'a rendu sourd. Donnez-moi le bloc de données. Je ferai de mon mieux. Décodage terminé. L'ennemi a placé en lieu sûr le matériel qui se trouvait au laboratoire central des supergardes. Je reconnais ses coordonnées. C'est une usine contrôlée par les impériaux, dans le secteur industriel. Qu'est-ce que l'Empire fabrique dans une usine sur Narshada ? L'ennemi construit toutes sortes de biens pour la guerre. Des armes, des armures, des boucliers. J'ose pas imaginer ce qu'ils font avec les supergardes. Vous avez les renseignements nécessaires. À vous de décider. Désolé de vous avoir gardé ici. Allez vous mettre en lieu sûr en attendant que tout soit fini. Monsieur, je suggère qu'on informe le général Varsutra. Il nous faut des renforts, et vite. Je vous ai marqué l'emplacement de la réserve ennemie. Bonne chance. Allons-y, agent Diaz. Ce secteur est donc fini, donc le prochain ça sera le secteur industriel justement, qui sera je crois d'ailleurs le dernier de la planète. Je dis pas de conneries, il y en aura peut-être encore un autre. Non, il y en aura peut-être encore un autre. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour la suite. Salut !